cette maladie, parle de cette maladie, déclare que cela soit coupé, déclare que cela soit coupé, déclare que cela soit coupé. Au nom du sang de Jésus-Christ, là où vous êtes, peu importe, au nom du sang de Jésus-Christ, par la croix de vos ancêtres, par la croix du Saint-Esprit, maintenant, je déclare que vous êtes localisé. L'onction de guérison vous localise maintenant. La puissance et la main divine de Dieu vous localise. Vous êtes guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes guéri, peu importe le nom et l'appellation de cette maladie. Ah, on a dit depuis longtemps que tu vas souffrir. On a déjà déclaré sur ta situation que non, tu vas rester comme ça, infirme. Tu vas rester infirme. Tu vas rester infirme. Tu ne vas plus jamais. Ah, moi je m'en fous de connaître. Je m'en fous de connaître l'appellation de cet ennemi. Je m'en fous de connaître comment il s'appelle. Je m'en fous de connaître qui a déposé. Parle comme je parle. Je m'en fous de connaître même d'où il sort. Mais une seule chose, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. En fous-toi de l'ennemi. Je m'en fous de connaître ton nom. Je m'en fous de connaître ton appellation. Je m'en fous de connaître d'où tu sors. Je m'en fous de connaître même qui tu es. Tu n'as aucun pouvoir sur ma santé. Tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Toi roi, toi reine. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Pose la main. C'est un acte prophétique. Marabado chetelebo santa rababa santa. Prophétise sur ta vie. Pose ta main là où tu as mal. Pose ta main où tu es malade. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta santé. Ribabo chetelebo santa rababa santa ribonta labada chata. Prophétise sur ta vie. Je ne t'entends pas parler. Ah Seigneur mon Dieu, mon roi, je déclare maintenant. Je déclare par le mandat et sur le manteau de Saint-Esprit éternel, mon Dieu, mon roi, sur l'accord de vos ancêtres, je déclare maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu dans vos vies, tout ce qui n'est pas de Dieu dans vos vies, peu importe là où vous trouvez, pendant que tu m'entends, par ton amen, je déclare la guérison sur toi, je déclare la restauration radicale et surnaturelle dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Ribabo setelebo chanta, rebeke telebrabado chelebo santarabada, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, 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 par ton amen, tu reçois ta guérison, par ton amen, tu reçois ta guérison. Écoutez, ceux qui ont les bouteilles d'eau, prenez une bouteille d'eau là où vous êtes. Prenez une bouteille d'eau là où vous êtes. Cherchez une bouteille d'eau. Malalabado chetelebro santa rababa chata. Ribabo sentelebo chanta rababa santa. Rabado chetelebro santa. Labado chetelebro santa. Vous avez pris une bouteille d'eau, vous dites j'aime ma bouteille d'eau. Écrivez j'aime ma bouteille d'eau. Écrivez j'aime ma bouteille d'eau. Ou bien vous écrivez j'ai l'eau, j'ai de l'eau, j'ai de l'eau à ma disposition, j'ai de l'eau à ma disposition. Afin qu'on commence l'acte prophétique. Prenez une bouteille d'eau. Prenez une bouteille d'eau. Ah, tu n'es pas venu voir ma tête. Ma tête n'est pas ta bénédiction. Ma tête là, ça n'a rien à voir avec ce que tu cherches. Ce que tu cherches là, c'est ton miracle. C'est Dieu que tu cherches. C'est ta bénédiction et ta délivrance que tu cherches. Alors prends une bouteille d'eau. Tu as ta bouteille d'eau, tu dis j'aime ma bouteille d'eau. Écris ma bouteille d'eau est là. Ma bouteille d'eau, écris simplement l'eau. L'eau, 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 j'ai de l'eau. Ceux qui ont les bouteilles d'eau, prenez votre bouteille d'eau. Si vous avez du sel, prenez également du sel. Prenez également du sel. Prenez le sel, prenez le sel. Vous avez du sel, que ce soit le sel de cuisine. Prenez du sel. Prenez du sel dans votre maison là. Vous avez du sel, prenez du sel. 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 Ah, ribaba chanta labado sete ribaba santa. Ce n'est pas ma tête que tu es venu voir. Ah, si c'est ma tête que tu es venu voir. Ah, labado chete. Ce n'est pas moi appartient la gloire. C'est à Jésus appartient la gloire. C'est à Dieu qu'appartient la gloire. C'est à Dieu qu'appartient la gloire. Ce n'est pas ma tête que tu es venu. Prenez votre bouteille d'eau. Voilà une bouteille d'eau. Prenez votre bouteille d'eau. Prenez votre bouteille d'eau. Si tu as du sel, prends ton sel. Prends ton sel là où tu es. Prends ton sel là où tu es. Ali Barabado Chente, ceci est un acte prophétique. Vous allez voir la puissance de Dieu qui va se manifester. La puissance de Dieu qui va agir dans vos vies maintenant. Rabado Chete Lebo Santa. Tu vas arrêter cette bouteille d'eau. Tu vas arrêter cette bouteille d'eau. Amen. Lève-la. Arrête-la avec tes deux mains. Tu vas respirer. Tu vas enlever toute pensée négative dans ta tête.
Tu vas enlever toutes tes pensées négatives, tout ce qui fait abstraction entre ce moment. C'est un acte prophétique. Ribabo shetelebo santa rababa. Rabado shetelebo santa. Ribaba shanta. Tu vas déclarer, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, par l'accord du Saint-Esprit, par l'accord de mes ancêtres, car tu as promis à mes ancêtres et à mes pères, Jacob, Abraham et Moïse, que j'hériterai de la prospérité. Je suis de la prospérité et j'hériterai les meilleurs fruits. Je mangerai les meilleurs fruits. Je déclare maintenant, Seigneur, par ton nom, Seigneur, que tu bénisses cette eau maintenant. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Rabadochete, je déclare que par cette eau, toute forme d'impureté dans mon corps, toute forme de négativité dans mon corps disparaisse. Je déclare par cette eau, je la bénis par ton sang et par ton nom, le nom puissant de Jésus-Christ que tu es. Ribabo sete lebo shanta labado sete. Toute forme d'impureté, toute forme d'impureté, tout dépôt que l'ennemi a placé dans ma vie, dans mon corps, je déclare que par cette eau, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je suis libéré. Par cette eau, je suis libéré. Rabado sete lebo santa. Ribabo sete lebo santa. Rabado sente ribabo. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclare maintenant, déclare que par cette eau, relâche toute forme de bénédiction dans cette eau, relâche toute forme de bénédiction dans cette eau, relâche toute forme de bénédiction dans cette eau, toutes les bénédictions, ah, toi qui as les trompes bouchées, toi qui es longtemps bloqué, qui a été longtemps bloqué, toi qui es malade, je parle sur toi. Parle de ta maladie sur cette eau. Déclare que par cette eau, tu es guéri. Déclare que par cette eau, tu es purifié. Déclare que par cette eau, tu es enlevé. Tu n'es pas venu voir ma tête. Je parle à tous ceux-là qui sont en train de me regarder avec et qui prient avec leurs paroles. Je ne t'entends pas prier. Prie avec ta foi. Prie avec ton cœur. Car c'est la foi qui est le carburant à ta prière. C'est la foi qui est le carburant à l'accomplissement de ton miracle divin. Ah, Libanto Rebo Shanta. Si tu crois, tu verras ma gloire, il a dit. Si tu crois, tu verras ma gloire, il a dit. Déclare sur cette eau. Je ne t'entends pas prophétiser sur cette eau. Ribabo Sentelebo Shanta. Rababa Santa. Ribabo Sente. Par cette eau, je lave ma maison. Je lave ma famille. Comme je bénis cette eau, nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que toute forme d'impureté est ôtée. Par ton amen, j'entends pas, je ne vois pas ton amen. Écris amen, écris amen, écris amen. Oui. Je déclare maintenant. Levez vos bouteilles. Levez vos bouteilles. Je vais clôturer cette eau. Levez vos bouteilles. Bien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, ne regarde pas le péché de tes enfants, car ils t'ont demandé pardon, Seigneur. Ils t'ont demandé pardon, ce sont des pauvres pécheurs. Père, que ta miséricorde soit sur leur vie. Efface, Seigneur, leur de toutes les transgressions, toute forme de péché consciente et inconsciente qu'ils ont fait dans leur vie. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sous ton mandat et par ton alliance, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, et par l'accord de les ancêtres et mes ancêtres, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que la bouteille d'eau qu'ils tiennent dans leurs mains, Seigneur, soit, Seigneur, leur miracle. Père, toute forme de maladie, tout dépôt que l'ennemi a mis dans un nœud, Kali Balochete, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que par cette eau, ils seront libérés. Je déclare que cette eau est la source de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Je bénis cette eau. Je bénis cette eau dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu es avec ta bouteille d'eau, j'envoie la bénédiction de Dieu sur cette eau. J'envoie la bénédiction de dessus cette eau. Je déclare que cette eau est bénie dans le sang de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que la main de Dieu localise cette eau et que cette eau soit ta source de guérison. Que cette eau soit ta source de bénédiction. Que cette eau soit ta source de guérison. Que cette eau soit ta source de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prendre cette eau. Tu vas boire maintenant. Avant de boire, dis Seigneur avec foi et prophétise sur ta vie. Comme je bois cette eau,
Seigneur, je viens t'enlever toute impureté, toute maladie, toute chose qui n'est pas de toi, tout serpent, tout bois. Seigneur, je déclare que c'est toi et ton sang. Je déclare que tu es mon Seigneur et Sauveur. Répète ce que je dis. Je confesse et je déclare que tu es mon Seigneur et Sauveur. Je viens enlever toute forme d'impureté en ton nom, dans mon âme et dans mon esprit. Tout serpent, toute captivité de l'ennemi dans ma pensée. Père, je déclare comme je bois cette eau, par cet acte prophétique et par ton nom, et par ton nom, et par ton nom, le nom puissant de Jésus-Christ, je suis libéré, je suis libéré, je me libère. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Tu vas boire cette eau. Eh bien, cette eau, quand tu te laves, pour ceux qui connaissent avec le sel et de l'eau, quand tu te laves, prends cette eau, ajoute encore sur cette eau. Et quand tu veux, tu bois constamment. Tu bois constamment cette eau. La quantité n'est pas la guérison. Tu peux boire un peu à chaque fois. Soyez bénis. Tu vas prendre ton sel. Tu vas lever ton sel là où tu es. Si tu as le sel, tu dis sel. Si tu as ton sel à main, tu dis sel. Si tu n'as pas le sel de mer, tu prends le sel de cuisine. Peu importe le sel que vous avez, si tu as ton sel, dis sel. Si tu as ton sel, dis sel. D'accord. Tu vas déclarer. Lorsque je vais compter de 1 jusqu'à 3, tu vas prophétiser dans ce sel. Parce que tu es le sel de la terre, toutes tes relations, tu es le sel de ta famille. Tu es le sel de cette terre. Tu es le sel de ta vie. Tu es le sel de toutes tes relations. Tu es le sel même dans ton travail. Sans toi là, il a dit vous êtes le sel de la terre. Si le sel de la terre perd sa saveur, qu'adviendra-t-il? Restons la saveur de ta vie par ce sel. Prophétise sur ta vie. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ que tu es le sel de la terre. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu es le sel de la terre. Lorsque je vais compter de 1 jusqu'à 3, tu vas briller là où tu es, avec foi, avec ton cœur. Parce que Dieu regarde le cœur. Si tu veux, tu pleures. Parce que Dieu est même sensible aux larmes. Tu en as marre de cette situation. Arrête ton sel là où tu es. Arrête ton sel là où tu es. Rabado shente lebro santa rabada santa rabado shente ribaba santa rabado shente rababo shente lebo shanta. Les gens de Facebook, arrêtez vos sels. Ceux de Zoom, arrêtez vos sels. Libanto shente lebro shanta rabado shente. Un et deux et trois, prophétise sur ta vie. Déclare sur ta vie. Je suis le sel de la terre. Tu prononces ton nom. Moi, Taoukam Sikapi George Gaïtan. Je restaure la saveur de ma vie. Je restaure la saveur de ma vie. Je restaure la saveur de mes finances. Je restaure la saveur de mon foyer. Par ce sel, je déclare que je suis le sel de la terre. Je déclare, Seigneur, parce que tu as dit que je suis le sel de la terre. Je déclare que, Seigneur, je suis le sel de toutes mes relations. Je déclare que je suis le sel de ma famille. Je déclare que je suis le sel de ma vie. Je restaure la saveur de ma vie. Je restaure la saveur de mes finances, je restaure la saveur de mon foyer, je restaure la saveur de l'intelligence, je restaure l'intelligence de mes enfants. Prophétise sur ta vie, toute forme de prophétisation, prophétise sur ta vie avec foi, prophétise sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Marabado chetelebro santa rababa chanta. Je précise toujours avec foi, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des paroles. Dieu ne regarde pas les mots, Dieu ne regarde pas les paroles, parce que même le païen prononce des paroles. Alors prophétise sur ta vie avec foi, avec foi, avec foi, avec ton cœur, parce qu'il est sensible au cœur, un cœur pur, un cœur sincère. Les prières qui montent à Dieu comme
comme de l'encens. Ce sont des prières sincères. Ce sont des prières avec cœur pur. Des prières avec foi. C'est la foi qui est le carburant à ta prière. Sur l'accord de vos ancêtres, sur l'accord du Saint-Esprit, je déclare que tout ce que vous êtes en train de prophétiser maintenant est accompli. Je déclare que tout ce qu'ils sont en train de prophétiser maintenant est accompli. Je déclare que le sel que vous tenez dans vos mains restaure votre vie. Je déclare que le sel que vous tenez dans votre main restaure votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rabado Shetelebo Santa Rababa Santa. Ah, parle sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Ah, ton amen détermine ton accomplissement. Ton amen provoque ton accomplissement. Ton amen provoque ton accomplissement. Ton amen provoque ton accomplissement. Mala ribo chanta labado sente ribo santa. Ah, labado sente. Ce n'est pas ma tête que tu es venu voir. Ce n'est pas ma tête que tu es venu voir. Ah, libo santa rabado. Ce n'est pas un homme que tu cherches, mais c'est Dieu. Ce n'est pas moi que tu cherches, mais c'est ta délivrance. C'est ta guérison. Ah, liko tarabado chete libo santa rabada santa ribo chanta. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Ah, déclare. Je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je viens sceller. Déclare. 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 S'efface. Non, ça te regarde. Je veux en fait que tu... Je veux enlever... Ok, j'enlève les décès. Rabado Shetelebo Santa Rababa. Déclare, 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 déclare. Déclare, 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 déclare. Rabado Shetelebo Santa Rababa. Rababo Shetelebo Santa. Déclare sur ta vie, déclare sur ta vie. Restaure, je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Je restaure mes finances. Je déclare. Rababo Shente, Rabado Shente, ah Rababo Shente, Rezika Amora, ah Rababo Shente, ton amen détermine ton accomplissement. Epiphanie, sois bénie, ton amen détermine ton accomplissement. Ah Marie Geneviève, ah tous ceux qui sont connectés, amen. Je prophétise sur votre vie, par l'accord de vos ancêtres, et par l'accord de mes ancêtres, et par l'accord du Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que cet acte prophétique, au nom puissant, de Jésus-Christ est béni, est accompli, est scellé dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que vous êtes le sel de vos familles, vous êtes le sel de cette terre, que la saveur soit votre portion. Je restaure la saveur de votre vie, je restaure la saveur de vos finances, je restaure la saveur de votre paix. Je restaure la saveur de votre joie, de votre bonheur. Rarabado chete, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe le nombre de cardinaux qu'on a mis dans ta vie, je déclare que par ce sel, tu es lavé, tu es purifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle cela dans le nom de Jésus-Christ. On va sceller trois fois dans le sang et dans le nom de Jésus-Christ. Trois fois et dans le sel, dans le nom et dans le sang de Jésus-Christ. Quand j'ai dit une fois, vous criez le nom de Jésus. Une fois, le nom de Jésus-Christ, par son sang et par son nom. Deux fois, le sang de Jésus-Christ, par son sang et par son nom. Trois fois, le sang de Jésus-Christ, par son sang et par son nom. Tu vas crier encore très fort. Je scelle ceci par le sang de Jésus. Amen. 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 Eh bien, ce sel, tu vas te laver avec. Écoutez. Amen. 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 On va venir sur ça après. Amen, amen, amen. Rabado shetelebo santa, rababa santa, ribabo shetelebo santa, rabado sheteketerebo santa. Ah, ton amen détermine ton accomplissement. Ce n'est pas ma tête que tu cherches. Ce n'est pas ma tête que tu es venu voir. Ce n'est pas ma tête. Si c'est ma tête et mes cheveux que tu es venu voir, et ce sont mes lunettes, si c'est quoi que tu es venu voir sur moi, ce n'est pas ça. Ton amen détermine ton accomplissement. Ton amen, je n'entends pas et je ne vois pas ton amen. Ribobo chata labado sente ribaba santa. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens sceller cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 On va sceller cette prière trois fois par le sang de Jésus. Trois fois par le sang de Jésus. Quand je vais compter de 1 jusqu'à 3, on va sceller trois fois par le sang de Jésus. Et ce sel, la façon dont vous scellez, je parle toujours, j'insiste sur la foi, j'insiste sur la pureté du cœur, un cœur sincère, un cœur qui vient à Dieu avec toute humilité, un cœur qui veut vraiment sa bénédiction, qui veut sa restauration, qui veut que sa vie change. Alors viens vers Dieu avec ce « Amen ». Ce amen glorieux.
Ce Amen glorieux, rends-lui toute la gloire par ce Amen, car nous scellons cet acte prophétique, nous scellons cette prière par ce Amen. Quand je vais compter de 1 jusqu'à 3, vous allez dire Amen 3 fois. Quand je vais compter de 1 jusqu'à 3, après vous allez dire sceller par le sang de Jésus 3 fois. On va commencer par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Une fois, au nom de Jésus-Christ. Deux fois, au nom de Jésus-Christ. Trois fois, au nom de Jésus-Christ. On va sceller cette prière encore de nouveau par le sang de Jésus-Christ. Et cet acte prophétique et tout ce que nous venons de faire par le sang de Jésus-Christ et par l'accord de vos ancêtres, l'accord du Saint-Esprit, l'accord de mes ancêtres, que ceci est accompli, ceci est accompli, ceci est scellé au nom puissant de Jésus-Christ. Une fois, le sang de Jésus. Deux fois, le sang de Jésus. Trois fois, le sang de Jésus. Amen. Ton amen détermine ton accomplissement. Ton amen détermine ton accomplissement. Ton amen détermine ton accomplissement. Amen. Bien. On va parler de quelques choses sur l'accord de la reine, de notre reine Jocelyne. Voilà, c'est celle qu'on vient de bénir. Et cette eau, c'est un acte prophétique. C'est un acte prophétique. Cette eau et ce sel, vous pouvez décider de mélanger cette eau à ce sel, juste un peu, quelques pincées de sel dans votre eau, vous versez au centre de votre maison, tout en déclarant, par vos prières que vous avez déclarées dans votre maison, les forces qui apparaissent, il y a des forces qui agissent dans votre quartier, qui manipulent votre quartier. Il y a des gouverneurs dans chaque quartier, des gouverneurs, des sectes, des sorciers, qui manipulent vos enfants, qui manipulent. Oui. Vous prenez cette eau, vous lancez, vous priez, vous déclarez, vous versez au centre de votre maison. Amen. Voilà. Maintenant, je vais en venir. Pour cela, vous avez vu ce sel? Vous avez vu ce sel? Bien. Maintenant, il y a du sel sang de Jésus. Il y a du sel de gloire. Ça restaure la saveur. La reine vous a montré, on vous a montré à l'Egyptic Academy, la reine vous parle tout le temps, notre reine nous parle tout le temps et vous montre des sels. Écoutez, vous plaignez des problèmes, vous plaignez des situations de votre vie, vous plaignez. Ma vie ne marche pas, mon foyer ne marche pas, mais un simple astuce qu'elle vous donne à concocter pour votre situation, vous négligez. Vous négligez. Je m'adresse aux gens de Facebook, je m'adresse aux gens de Zoom. Dans la Bible, il y a eu des sacrificateurs. Élie est un prophète sacrificateur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des sels. Il y a des kits. Vous comprendrez, vous voyez tous les jours. Vous voyez tous les jours. Les posts et tout. Il y a des kits, kits attraction. Il y a des kits déblocage, simple, déblocage plus plus. Pour ceux-là qui ne connaissent pas les conditions spirituelles, vous pouvez prendre des consultations. Vous pouvez prendre des consultations. Vous ne connaissez pas vos problèmes. Vous voulez prendre quelque chose, mais vous ne connaissez pas quoi prendre parce que vous ne connaissez pas. Parce que c'est bien la consultation, c'est pourquoi? C'est pour connaître la source de vos problèmes. Parfois, vous prenez des kits, mais vous ne connaissez pas peut-être que il y a certaines fondations, il y a certaines choses que vous devez accomplir. Peut-être certains dons que vous devez faire au village, mais vous ne connaissez pas. Peut-être X est fâché. Alors, voilà pourquoi des consultations. Pour connaître, pour ceux qui ne connaissent pas la localisation, comment se situer, quoi prendre, consultez-vous. Il y a des lavages. Il y a les lavages de semaine.
Il y a les lavages de mois, il y a les lavages de début de mois et de fin de mois. Ok? Voilà. De quoi nous parlons? Voici ce sel. Voilà le sel. Les différentes qualités de sel. Vous les avez dans tous les pays, que ce soit au Canada, aux États-Unis, partout. Vous avez tout. Les différentes qualités de sel. Mon esprit me dit qu'il y a des gens qui sont en train de dire que, ok, c'est quoi ces trucs et c'est quoi ces trucs, c'est quoi ces trucs encore. Écoutez, tu n'es pas connecté ici pour rien. Tu n'es pas venu là pour rien. Ta bénédiction, ta guérison, ça n'engage que toi. Je vais être direct. Voilà des sels. Voilà, différentes qualités de sel. Voilà. Il y a des kits fondation, brisez les fondations, kits attraction pour l'attirance. Il y a des kits déblocage plus et déblocage simple. Il y a des lavages. Pour ceux qui sont nouveaux dans la page, prenez le temps de regarder. Prenez le temps de regarder. Prenez le temps de regarder. Soyez bénis abondamment. L'Esprit me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été bénies en ce jour. Beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, beaucoup de personnes ont été bénies en ce jour. Beaucoup de personnes. Beaucoup. Maintenant, quand on vous achetez un kit, vous achetez un produit, accompagnez ça par des jeunes. J'ai reçu le témoignage d'une sœur. Je ne vais pas prononcer son nom. Elle a pris son « donne-moi tout ». Elle a fait l'astuce que la reine a donnée avec l'huile rouge, le sel et la cendre. Elle avait montré cette astuce. Elle a fait ça. Dès qu'elle a fait cette astuce, elle a pris ses produits. Tout d'un coup, ses portes sont fermées. Elle m'appelle, elle me dit, j'ai l'impression que mes portes sont fermées. Depuis que j'ai fait ça, c'est comme si c'est fermé. Oui, ça c'est le signe de l'accomplissement. Lorsque vous arrivez devant le coffre à ouvrir, il y a ça. Parce que l'ennemi va vous faire quoi? Il va vous faire avoir peur. Accompagnez votre kit par de jeunes. Si vous avez pris un kit et que vous ne savez, vous connaissez déjà comment l'utiliser ou vous avez commencé l'utilisation de ce kit, ce que je lui ai dit, fait des jeûnes. Elle a fait son jeûne de 3 jours à sec. Elle a utilisé ses produits. Elle a utilisé son donne-moi tout, son kit, tout. Ses portes qui étaient fermées à l'aéroport, et ben ça s'est ouvert. Elle m'a appelé, écoute, ça va très mieux, je viens de casser mon jeûne et tout. J'ai reçu patati patata. C'est que le colis que je voulais avant l'aéroport, ça a donné, voilà. La personne qui me devait tel nombre d'argent, il m'a appelé de lui-même, il m'a dit, je viens. Tu es à la maison? Oui, j'arrive. Écoutez, ça ne ment pas. Vous prenez un kit, vous accompagnez par votre jeûne. Et tout ce que vous faites doit être, quand on parle de spirituel, tout ce que vous avez à faire, ça doit être spirituel. Vous devez prendre ça au sérieux. Parce que tout ce qui vient d'en haut là, tout ce que vous avez là, vous pensez que c'est votre intelligence, c'est pas votre intelligence, mais ça vient de Dieu. C'est Jésus qui vous donne ça. C'est Dieu qui vous donne ça. C'est Dieu qui vous donne ça. Ce n'est pas votre intelligence. Alors quand vous prenez un moment spirituel, vous prenez des kits, vous prenez des jeûnes, vous accompagnez avec. Et quand vous accompagnez avec, vous aurez la manifestation. Vous aurez votre délivrance. Tout c'est prophétique. Rien n'est donné au hasard. Ceux qui vont dire, parce que ici, l'Esprit me dit qu'il y a des décepticons. Il y a des personnes qui disent, ah oui, l'argent. Écoutez, je vais vous répéter encore une fois de plus. The Jidiga Academy n'est pas là pour l'argent. Et nous ne boostons pas nos pages. Nous ne faisons rien de pareil. Ok? Toute personne qui est connectée, toute personne qui vient à vous, c'est Dieu. C'est Dieu.
C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux recevoir ta bénédiction. Il y a une décepticône qui est en train de te dire que ah, les trucs là. Écoute ton esprit. La conviction que Dieu te donne, ça vient par la paix intérieure. Il y a une forte paix que tu ressens à l'intérieur de toi qu'il faut faire ce truc. Il y a une forte paix que tu ressens à côté de toi. Il faut faire ce truc. Rien n'arrive au hasard dans la vie. Les hommes ne se rencontrent pas pour rien. Même tes ennemis ne sont pas là dans ta vie pour rien. Arrêtez de vous voiler la face. Quand vous prenez de la spiritualité, lorsque vous comprendrez, pour ceux qui sont nouveaux, que c'est la spiritualité qui est la base du monde, vos portes vont s'ouvrir. Oui, parce que tout vient spirituellement avant de se matérialiser. C'est comme un truc. Dieu envoie un ange avec ton paquet. Il descend. Il combat d'abord les forces obscures. Pas tes prières, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit la prière, c'est le carburant à vos bénédictions. Il envoie ton paquet par un ange. Pas ses envoyés. Ils arrivent d'abord. Pas ta prière. C'est la prière qui donne le carburant à l'arrivée de ta bénédiction. Il combat d'abord toutes les forces qui sont bloquées, qui combattent ta vie. Il arrive maintenant, il te donne ton paquet. Est-ce que vous comprenez ça? Tu dors, tu es paresseux, on te demande de faire un truc, tu es paresseux. Mais tu viens tous les jours, ma reine, ma vie, c'est ceci. Ouais, je te suis depuis, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas ceci. Écoute, quelqu'un qui cherche l'argent ne devait pas donner les astuces. Vous savez comment la reine est combattue? Vous savez comment elle est combattue? Que pourquoi tu montres ça aux gens? Pourquoi tu montres ça aux gens? Juste les petites astuces qu'elle vous donne, vous ne mettez pas en pratique. Certains pleurent l'argent. Si on voulait l'argent, on ne montait pas ces astuces. On mettait tout en vente. Moi, je parle honnêtement et véridiquement. Ce n'est pas parce que. J'ai la crainte de Dieu. Juste les astuces, tu ne mets pas en pratique. Tu penses que quelqu'un va se jeter dans l'eau, il va dire Seigneur, viens me sauver. Dieu envoie un bateau avec des gens, il va dire non, ce n'est pas Dieu seulement qui a envoyé ça. Je vais attendre. Donc Dieu va descendre en personne, te sauver dans l'eau là, il va te sauver en personne, il va descendre, il va marcher, tac, tac, il va arriver, il va te sauver. C'est ça non? C'est ça? C'est la spiritualité qui fait le monde. D'autres, oui. Vous dites, ça ne change pas. Pourquoi ça ne change pas? Ça ne change pas à cause de votre cœur. Il ne suffit pas d'être spirituel, mais regarde le cas de ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Regarde le tas. Tu as des gens, tu veux faire un travail spirituel, tu as des gens dans ton cœur d'abord que tu gardes en rancune. Tu as des gens en cœur que tu gardes en rancune. Tu fais un travail spirituel, mais tu as des gens en cœur que tu gardes en rancune. Tu as des enfants que tu maltraites. Dieu regarde le cœur. Peu importe ce que tu fais, Dieu regarde le cœur. Même quand tu pries là, c'est ta foi et ton cœur. Si tu pries comme je suis en train de parler, ce sont des mots, pas intelligence. Tu places tes mots dans la prière. Écoute, ce n'est pas ça la prière. C'est le cœur que Dieu regarde. C'est le cœur que Dieu regarde. La base de ses commandements, c'est l'amour. La base de ses commandements, c'est l'amour. Une fois que tu vas faire ça, je vous donne des principes. Soyez en paix avec des gens. Pratiquez l'amour. Jeûnez. Priez. Mettez. Ceux qui ont des kits, mettez en pratique les enseignements qu'on vous donne. Moi, je vous dis, les prochaines heures et les prochains jours, vous allez entendre des témoignages. Restez connectés.
Je sais qu'il y a des gens qui m'entendent et qui sont des vrais rois et des vraies reines. Vous savez de quoi je parle. Ceux-là qui, vous savez de quoi je parle. Arrêtez d'être égoïste. Arrêtez d'être pessimiste et négatif. Que, ah, pourquoi? Assieds-toi, médite. Prends ton stylo, prends ta feuille. Pose. Prends ton stylo, prends ton notebook. Si tu as un notebook, si tu as une feuille, si tu as un papier, si tu as quoi. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi? Essaye. Le travail personnel. Le travail sur toi-même. Fais une analyse sur toi-même. Fais une analyse sur toi-même. Tu n'es pas fatigué de tourner en rond. Vous pensez que ces hommes riches-là, ces milliardaires-là, tous ces milliardaires que vous voyez là, vous pensez que tous ces milliardaires que vous voyez là, attendez, ce sont des hommes très spirituels. Quand tu vois un homme qui a de l'argent, il est assis, il est spirituel. Quand tu vois une femme qui a de l'argent, elle est assise, elle est spirituelle. Tu n'as pas compris ça. Attends toujours les 50 ou les 100 millions là, ça va venir. Ça peut venir, mais c'est Dieu qui conserve. Dieu donne, il faut protéger. Pour qu'il protège, il faut que tu gardes ton alliance. Il faut que tu gardes ton intimité avec lui. Est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi vous ne comprenez pas? Il va te donner, c'est lui qui donne et c'est lui qui prend, c'est Dieu. Il peut te donner les 50 ou les 100 millions, les 200 millions que tu demandes. Mais est-ce que les sorciers vont te laisser? Parce qu'il y a celui-là qui a fait, qui est parti se faire un verset de sang quelque part. Il a tué son enfant. Il ne dort pas la nuit, le serpent le visite chaque jour. Il ne dort pas la nuit. Parce que, quoi? Il veut 100 millions, les 100 millions que toi tu as, que Dieu t'a donné gratuitement. Comme il ne va pas te jalouser, il ne va pas te menacer. Comme il ne va pas attaquer tes finances. Voilà pourquoi garde ta relation avec Dieu. Il protège tes finances. C'est lui qui donne. Voilà pourquoi même dans tous les rois que Dieu a élus sur son peuple, lorsqu'ils désobéissaient, Dieu les enlevait tout ça. Oui, Dieu t'enlève tout. Gardez votre intimité, gardez votre alliance. Certains d'entre vous ont fait Dieu est sensible. Écoutez, je vais vous donner un secret dans l'accomplissement des choses. Dieu est sensible à ce qu'on appelle le contrat. Dieu fonctionne par contrat. Assieds-toi un peu. Prie. Prends ton jeûne. Seigneur, si tu me donnes ceci, je fais ça pour toi. Si tu me donnes ceci, je fais ça pour toi. Il est sensible au contrat. Il fait le contrat. Il est jaloux. C'est le contrat. Maintenant, respecte ton contrat. Quand tu respectes ta part de contrat, peut-être toi dans ta vie, ça n'avance pas parce que tu as promis quelque chose à Dieu, même quand tu étais petit dans ton passé, et tu n'honores pas. C'est le contrat. Respecte ton contrat. Il va respecter le sien parce qu'il ne ment pas. Il a dit, ceux qui viennent à moi mangeront les meilleurs fruits. Leurs feuillages resteront toujours verts. Ils sont comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau. Et leur feuillage restera toujours vert. Ils vont produire en abondance. Tu penses qu'il t'a créé pour que tu souffres? Je ne suis pas là pour motiver quelqu'un. Je vous dis simplement la vérité. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Deux, je vous montre les stratégies que l'ennemi fait pour vous déstabiliser. Certains d'entre vous, vous êtes dans une phase spirituelle et à chaque fois vous tombez. Lorsque vous êtes dans une phase spirituelle, qu'est-ce que l'ennemi fait généralement? Il vient mettre de la peur, il utilise la peur. Tu vas voir que c'est quand tu es en train de gêner que les portes se ferment, comme j'ai expliqué le cas de ma soeur, de la reine, d'une autre reine. Que certaines portes se ferment. Tu vas dire, ah pourquoi? Parce que tu es en train de te charger, tu donnes la puissance à ton esprit. Tu es en train de les combattre. Hein? Et eux aussi font pareil. Maintenant, quand il y a une difficulté, à chaque fois qu'il y a une difficulté, c'est parce qu'il y a un coffre qui est prêt à être ouvert. Il y a une porte qui est prêt à ouvrir, mais il y a un Goliath devant que tu dois déraciner.
Donc tu dois monter d'un cran. Il y a un Goliath devant que tu dois enlever. Il y a une porte qui est prête à être ouverte. Elle m'a dit, ah, c'est là, c'est bloqué. Oh, même le truc, je ne sais pas, quand j'ai commencé à me laver, j'ai commencé, pap, pap, pap. Alors, on a dit ceci, ou ceci, on a dit celle-ci. Ouais. Elle dit, ma soeur, c'est rien du tout. Accompagne, cela fait 3 jours de jeûne. Reste consacré. Elle est restée chez elle. Quand on dit jeûne, on dit 3 jours à sec, on dit ceci. Ok. 3 jours sans manger, sans boire. Elle est restée chez elle. Ce n'est pas que tu dors. Parce que tu ne manges pas, tu restes là, tu dors. Ça veut dire que tu prends ta Bible, tu lis. Ok. Tu as ton kit, tu as ton kit déblocage, ton sel, ton donne-moi tout, le produit que tu as acheté. Tu médites aussi. Tu médites. C'est le moment que tu dois respecter Isaïe 54, le secret du jeûne. Tu dois faire l'effort de n'insulter personne. Voilà pourquoi on regarde le cas du cœur. N'insulte personne. Ne te fais même mouf, ne dis rien. Ne dis rien. Vous ne savez pas que l'amour donne la paix. Quand vous aimez les gens, c'est-à-dire vous ne vieillissez même pas. Tu rajeunis, tu es tout le temps jeune, tu es souriant. Tu as une certaine paix. Rien ne peut voler ta paix. Le diable, c'est un voleur de paix. Quand il arrache la paix d'un homme, sa vie de prière baisse. Sa vie de prière baisse. Sa foi baisse. C'est ça, quand j'entends parler des... J'entends voir des gens dire, ah, c'est difficile, c'est ceci, c'est cela. Vous ne connaissez, j'ai dit, mais si les gens s'y peuvent comprendre la capacité, le potentiel que Dieu a mis en eux. Vous êtes plus fort. Il vous a fait à son image. Écoutez. Vous êtes plus fort que le diable. Vous êtes plus fort que lui. Vous êtes plus fort que ses vampires et ses sorciers. Vous avez le potentiel en vous. Ta parole là, c'est une épée à double tranchant. Il t'a fait à son image. Voilà pourquoi quand vos mères vous maudissent, elle dit je te maudis, ça porte. La parole d'un homme est très dangereuse. Maintenant, pourquoi la mère dit que quand une mère te dit je te maudis, ça porte? Parce qu'elle est choquée et elle a mis le cœur dessus. Elle a mis le cœur dessus. Elle a dit, je maudis avec le cœur. Donc, elle était choquée parce que tu as fait ta maudit avec le cœur. Donc, tout son être t'a maudit. Voilà pourquoi ça porte. C'est la même chose avec la prière. Quand tu déclares là, c'est le cœur. Écoute, Dieu est sensible aux lames. Parfois même, je me mets comme ça à marcher. Je dis, Seigneur, quelle est cette situation que cette femme traverse? Quelle est cette situation que cet homme traverse? Quelle est cette situation? Il est sensible aux lames. Et à chaque fois que tu traverses une situation, rappelle-toi toujours de ton passé. Combien tu as traversé, il t'a sorti de là. Voilà ce qui te booste. Ah oui, regarde ton parcours. Regarde ton parcours. Ah oui, regarde ton parcours, mon frère. Regarde ton parcours, roi. Reine, regarde ton parcours. Regarde tout ce que tu as traversé. Tu es où aujourd'hui? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Partager. Partager le life. Partagez le live. Il y a des gens comme vous qui ont besoin de Écoutez. Il y a des gens comme vous qui ont besoin de connaître certaines choses. Il y a des gens comme vous qui sont dans des situations, ils ne connaissent pas. Vous avez, écoutez, hein. Ce qui est choquant dans tout ça, c'est que moi, vous qui connaissez la vérité, vous serez doublement plus jugés que ceux qui ne connaissent pas. Donc même nos pasteurs, nos prophètes, nos hommes et tous les sacrificateurs que Dieu a mandatés dans différents ministères sur la terre, oui, ils seront doublement jugés. Pourquoi? Plus tu sais, plus ça devient dangereux. Plus tu sais, plus ça devient dangereux. Parce que Dieu devient exigeant. Mais tu as sa grâce et sa faveur en abondance.
Voilà. Donc, veillez sur votre spiritualité. Je vais tirer vos oreilles. Quand vous commencez un travail spirituel, vous avez vu les prières qu'on a évoquées. Vous avez vu quand vous vous lavez avec le sel, vous prenez des kits d'attraction, des kits de déblocage, vous faites des consultations. Vous prenez des kits de commerce, des kits d'attraction, des kits de déblocage. L'ennemi de nos jours utilise des armes. Et Dieu aussi donne des armes déjà matérielles. C'est ce que vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi on donne des kits. Dieu inspire ses enfants par des armes matérielles. Il y a un prophète au Gabon. Il s'appelle Emmanuel Nzomba. Il a fait un culte prophétique. J'ai vu son culte prophétique. Il a utilisé du sel. Il a utilisé du sel. Il a même pris du parfum. Il bénit. Pourquoi on prend de l'eau en bénit? Dieu ici utilise des armes qui sont matérielles. Pour ceux qui ne comprennent pas. Il inspire ses enfants. Même l'huile d'onction. Sinon, l'huile allait couler de nos mains, oui. L'huile allait couler des mains des prophètes. Il prend aussi, il donne que voilà, je bénis cette huile, je mets cette huile d'onction sur toi. Et puis, quand vous commencez un travail spirituel, vous prenez vos kits, déblocage, lavage, tout ça. Ce sont des forces que vous combattez. Vous ne devez pas dormir. Sachez que quand vous avez levé les sujets de prière, là, certains vont commencer à voir les manifestations à partir d'aujourd'hui. Si vous dormez sur ça, avant de poser tes pieds au sol, fais ton bain spirituel, fais ton lavage, mets des prières avec foi. Avant de dormir, ouvre toujours la porte de ta maison avec ton bain et ta prière. Ferme la porte avant de dormir avec ton bain et ta prière. C'est important. Vous pouvez commencer un travail spirituel, vous priez. C'est pour ça que certains m'ont dit que pourquoi ça n'avance pas depuis, pourquoi ça n'échappe pas. On prie, on fait ceci, on fait cela tout le temps. Tu as prié, qu'est-ce que tu as prié? Bon, allons-y. Tu as prié quoi? Je veux que ma vie soit. Seigneur, débloque ma vie, je déclare que les forces sataniques. Puis tu as prié tout ça. Regarde, tu as déclaré que les forces sataniques te laissent. Tu as déclaré l'ouverture de tes portes financières. Tu es en train d'arracher ce que la terre t'a pris. Là, on a enterré ton nom. Tu es en train de détruire les hôtels jusqu'à les réserves. Parce que oui, les sorciers ont les réserves. Les enfants qui prennent les relèves, ils ont les réserves. Tu es en train de détruire tout ça. Maintenant, après, tu dors encore dessus. Donc, comme tu as prié une fois là, ça va. C'est fini. Comme tu as fait ton lavage une fois, ça va. Comme tu as pris ton kit une fois là, ça va. Tu as fait ton lavage une fois, c'est fini. Tu t'es lavé le sel une fois. Non, ma part, ça va, c'est bon, je suis guéri. Tu as levé des sujets de combat et c'est fini. Tu t'es lavé avec les armes que Dieu t'a données une fois et c'est fini. Certains ont pris les kits, ça fait un mois. D'autres, c'est même fini. Je ne parle pas pour vous faire de marketing ou quoi que ce soit. Hein. Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui veulent se déconnecter, se déconnectent. Je parle à ceux et ces rois et ces reines qui entendent et qui savent de quoi je parle. Maman. Pardon, le power back là avec le. Pardon. Je parle à ceux-là qui savent de quoi je parle. C'est le tien. Ceux qui veulent se déconnecter, se déconnectent. Vous n'avez pas encore compris. Mais ceux qui vont mettre en pratique, ceux-là qui vont mettre en pratique et les astuces, acheter les kits. Tu as acheté ton kit, ça fait combien de temps? 10 mois. Tu as acheté ton kit, ça fait combien de temps? Tu as fait ton lavage et ça fait combien de temps?
Tu as fait ton lavage, ça fait combien de temps? Tu t'es lavé avec le sel combien de fois? Marine, je me suis lavé avec le sel. Tu as lavé combien de fois? Tu comptes même. Hein? Jusqu'à tu comptes. Jusqu'à tu comptes. Tu veux que tu assures ça, mais tu comptes le nombre de fois. C'est, écoutez, les sorciers parmi vous, ils ont fait les sacrifices de bœuf sur vous. On te demande de faire le sacrifice, la dîme, de donner la dîme. Ramenez vos dîmes à la maison de Dieu. Ramenez. Que le Saint-Esprit me rappelle cette parole biblique. Les dîmes, tu as donné ta dîme combien de fois? Ne change pas. Ceci. Tu as donné ta dîme combien de fois? Tu comptes le nombre de fois que tu t'es lavé. Tu comptes le nombre de fois que tu as payé le kit. La spiritualité, c'est la constance. Garde le cap, sois focus. Maintenant, il ne suffit pas d'être spirituel. Il te faut que spirituel et avoir des objectifs de vie. Des objectifs spirituels, des objectifs professionnels, des objectifs financiers, là où tu vas. L'important, ce n'est pas combien je gagne. L'important, écoutez bien, c'est où je vais. Où je vais? Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce qui... What? Ce n'est pas combien je gagne, mais c'est où je vais. C'est la bonne question. Pose-toi la question là maintenant, là. Où je vais? Réponds-toi toi-même. Tu vas où? C'est parce que tu ne sais pas où tu vas que tu négliges certaines choses dans ta vie. Tu vis au jour au jour. Tu n'as pas de plan. Tu n'as pas d'objectif. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Soyez abondamment bénis. Que la grâce de Dieu vous localise. Que le Seigneur Jésus-Christ vous localise dans vos vies. Je déclare qu'il ouvre vos oreilles spirituelles. Je prophétise sur vous qu'il ouvre vos oreilles spirituelles. Qu'il ouvre vos yeux spirituels. Et qu'il vous donne le discernement. Qui vous donne le discernement. Mon peuple périt par cause de sagesse. Quelqu'un vient d'écrire. Ma reine, je veux le kit, ceci, cela. Quand la reine me montre souvent les messages, elle dit que quelqu'un veut le kit, ceci, cela. Après, il te dit. Il te sent pour une autre face. Tu penses que c'est pour que tu fais ça? Les décepticons là qui viennent tenter, vous venez tester le terrain. L'autre a répondu dernièrement, j'ai vu ça, il dit que même les choses de Dieu payent. C'est cette limitation là qui vous bloque. On fait des sacrifices de taureaux, de bœufs sur toi. Vous savez combien de personnes quittent de l'euro des États-Unis pour venir faire les rites dans leur village? Oui, les ancêtres. Qui est ton ancêtre? Abraham, Moïse, tes pères. Ce ne sont pas les lignées, ce ne sont pas les enfants, ce ne sont pas la postérité d'Abraham. Tu sors d'où? Tu es né par. Tu es né. Vraiment de Dieu. Vraiment de Dieu. Vraiment de Dieu. Si c'est ma tête que tu es venu voir, regarde ma tête. Si c'est mes cheveux que tu es venu voir, ou bien rire, regarde, tu ris, tu fais ce que tu veux. Je sais qu'il y a plein de décepticons là. Mais on avance. On avance. Roi et reine, on avance. Continue à juger les gens.
quand tu juges. Écoutez, hein, je vais vous dire une chose. Quand tu juges quelqu'un, hein, tu es en train de dire que cette personne est au-dessus de toi. C'est ce que tu ne sais pas. Tu es en train de déclarer que cette personne est au-dessus de moi. Quand tu es jaloux de quelqu'un, tu es en train de déclarer que cette personne est au-dessus de toi. Laissez les histoires de jalousie. C'est que tu l'as fait à trois personnes. Il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux qui sont plus petits que toi. Il y a ceux qui sont au même niveau que toi. Et il y a ceux qui sont au-dessus de toi. Ceux qui sont plus petits que toi, ceux qui sont au même niveau de toi, c'est avec eux que tu dois collaborer pour avancer. C'est avec eux que tu dois partager des trucs pour avancer. Maintenant, ceux qui sont plus petits de toi doivent copier. Tu dois leur montrer le bon exemple. Ils prennent l'exemple de toi, tu dois montrer le bon exemple. Et ceux qui sont au-dessus de toi, ceux qui sont âgés que toi, ils ont une certaine expérience de vie. Parfois, l'âge ne détermine pas l'expérience. Parfois, vous comprenez de quoi je veux parler. Eux aussi, tu dois copier l'exemple. Tu dois suivre leur modèle. Laissez la procrastination, laissez la médisance, laissez tout ça. Ça te sert à quoi? Va, tu t'assois, finis ton travail, tu t'assois chez toi, tu médites, tu fais tes trucs, concentre-toi sur ta vie. Tu vas gagner des millions, tu vas gagner des milliards, mais tu es en train de bavarder, de juger quelqu'un, tu es en train de blasphémer sur quelqu'un, tu es en train de... Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, tu fais quoi de ta vie? On vous parle des kits. Déblocage simple, déblocage plus plus. Des kits, déblocage simple, déblocage plus plus. On te parle de ça, tu penses que c'est l'huile qu'on vend au marché. On te donne le sel, on te montre un sel. Tu penses que c'est le sel qu'on vend au marché. Oui, le sel qu'on vend, c'est du casté. Oui. Chaque chose y a la particularité. On te donne le donne-moi tout. Tu penses que c'est qu'on a fait, on a fait. Ah non, non. Écoutez, je vais vous dire une parole. Il a dit des faux prophètes. J'ai dit des faux prophètes. Des faux prophètes. Oui. Des filles et des filles de Jézabel vont venir devant vous, vous parler, prophétiser, parler même à mon nom. Oui, ils vont venir parler à mon nom. Ok, tu as fait le lavage combien de fois? Tu as pris ton kit combien de fois? Tu comptes, je dis même combien de fois? Toi, tu es en train de compter. Quand tu es dans le spirituel, je répète encore, tu dois veiller, tu dois être constant. J'avais dit si ton kit attraction finie, ton kit fondation finie, tu dois, si c'est au moins un mois, au moins peut-être un mois, chaque un mois, tu renouvelles. Pourquoi? Il ne faut pas dormir, il ne faut pas laisser l'espace à l'ennemi. Parce que quand tu dors, il sème. Ta vie spirituelle, ta vie de prière dort. Il vient, il sème sa part. Donc, il vient ravager. C'est comme une... je ne sais pas. Tu as planté dans ton champ, mais tu n'as pas mis de clôture. Tu n'as pas mis, de protection pour que les oiseaux, ce qui mange ton... qui mange ta... Comment je vais dire? Ta production. Ce que tu dois produire. Ta production. Je vais dire ça comme ça. Bah, ils viennent, ils entrent, ils ravagent tout. Tu as sémé, mais tu n'as pas protégé. Tu dois veiller tout le temps. Tu vas avoir 100 millions, oui. Tu sais comment les francs-maçons là, les rosicruciens là, je m'adresse à eux. S'ils sont là, où ils sont où là? Je sais que vous entendez les décepticons, vous les sorciers là. Vous savez comment eux là, ils ne dorment pas la nuit. Le diable dit, il frappe sur les têtes. Ils attendent l'apparition du serpent pour avoir les révélations. Vous savez comment ils font? Et ils ne dorment pas. Hein. Voilà pourquoi le monde des sorciers, même les vampires, là, les pratiquants, les marabouts, là, tout cela, ils ne dorment pas. Combien de fois toi chrétien, toi enfant de Dieu, toi lumière, toi roi, toi reine, tu dors. You sleep. Oh là là. Ok.
La reine a dit que vendredi, il y a vendredi c'est aujourd'hui, je pense. Méditation. Il y a méditation. 21h. Il y a méditation à 21h. Elle a donné le lien. Si ceux qui suivent bien les posts et qui cliquent et prennent la peine de voir, elle a donné le lien dans un post pour le groupe de méditation. C'est une méditation. Elle a donné des principes. Des principes. Tu dois avoir ton stylo, tu dois avoir ton blog, tu dois te laver au moins quelques minutes avant ta méditation. Tu dois être dans les conditions, pas de bruit, tout. Tu dois t'asseoir, je crois, pour la méditation. 21h, l'heure de méditation. Elle a parlé, certains en a répondu, c'est 15 000 francs le mois. On a dit la première séance est gratuite, qui est vendredi. L'Esprit de Dieu a dit, mettez ça gratuitement pour le moment. Le jour qu'elle va décider que voilà, ou bien que Dieu va décider, ce n'est pas elle. Le jour que Dieu va décider, mettre à cœur que voilà. Fait comme ça, elle va faire. Le tout, ce que vous voulez. Comme je dis toujours, d'autres payent les bœufs, ils mettent sur vos têtes. Mais vous ne voulez rien dépenser. D'autres ont dit dernièrement que, oh, même l'affaire de Dieu, on met l'argent dedans. On paye le cahier ici avec quoi? Le sel que tu utilises là, on paye ça, on ramasse ça. L'eau que tu bois chez toi là, l'eau que tu te laves avec là, même que tu te laves avec, tu ramasses ça où? Non, dis-moi aussi. C'est pour payer ce à quoi on veut. Dieu. C'est pour payer ce que, c'est pour fabriquer, c'est pour mettre à votre disposition ce que Dieu a décidé. Le moyen par lequel Dieu a décidé de vous débloquer, de vous bénir. On va encore expliquer tout ça. On va encore expliquer. Bon, je ne suis pas venu pour donner l'explication, pour m'excuser, hein, ou pour faire quoi que ce soit. Je ne suis pas venu pour ça. Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui veulent acheter, achètent. Ceux qui veulent, c'est votre problème. Nous, on avance. Pour ceux qui sont au Canada, en Amérique, au Canada, nous sommes basés. Gabon. Appelez le Gabon, ceux qui sont au Gabon, appelez le Gabon, WhatsApp ou appel, appelez, il y a le numéro du Gabon, Cameroun, appelez. Peu importe le pays où vous trouvez. J'ai dit le lien de la méditation de vendredi, c'est dans le poste de la reine. Elle est habillée en habit spirituel blanc. Elle a écrit, vous cliquez comme on écrit souvent au-dessus d'une vidéo là. Vous cliquez sur l'écriture, vous allez voir le lien, vous lisez, vous allez voir le lien en bas. C'est parce que, oui, vous ne connaissez pas parce que vous feuilletez seulement. Vous ne vous intéressez, vous feuilletez seulement. Bah, allez-y feuilleter, continuez à feuilleter, nous on avance. Ceux qui mettent en pratique, on avance. Il y a des séances de coaching. Il y a le coaching. Certains d'entre vous ont les dons, mais ne savent pas comment les aiguiser, ne savent pas comment les révéler. Certains n'ont pas de. Certains ont des missions de vie, mais ne savent pas. Certains d'entre vous. Oh là là. Il y a des coachings. Certains d'entre vous ont des puissants dons à l'intérieur d'eux. Que l'ennemi vient voler à chaque fois. Vous pensez qu'on dit qu'on vole le toit de quelqu'un, vous pensez que c'est quoi? On met le voile sur ta face, un voile noir. Tu penses que c'est quoi? Partout là où tu prends, on ne te prend pas. Tu pars demain, l'emploi, on ne te prend pas. Pourtant, tu as les longs diplômes. Tu as les études, tu as tout fait. Tu as même le doctorat, le master. Tu es même docteur. Docteur, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas. Mais vous dormez. Écoutez bien, on a volé ton étoile. Comment on a volé? On est venu devant toi, on a pris comme ça. On est venu de toi, on a enlevé, on a pris ça comme ça, on a dit qu'on part avec. C'est spirituel. Dormez. On entre dans vos rêves, vous ne priez pas. Ok. Bon. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis.
Soyez abondamment bénis. N'ayez pas l'habitude que si à chaque fois, soyez radical, soyez des personnes radicales. Soyez des personnes radicales. Prenez une décision, accrochez-vous sur cette décision. Tu veux que ta vie change, sois radical. Tu veux que ta vie change, sois radical. Sois radical, soit focus, soit discipliné. Tu ne veux pas vouloir un mari, tu as 50 actuellement. Tu as 50 dans ton répertoire, tu es en train de. Je ne sais pas trop quoi. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Soyez discipliné un peu, que ce soit sentimentalement, spirituellement, financièrement. Soyez discipliné dans votre vie. Il faut savoir tout ça. Je vous en prie. Ça me fait mal de voir des gens qui disent que j'ai un problème. Ma vie n'avance pas. Je vous en prie, je vous en supplie. Veillez sur votre spiritualité. Le diable ne dort pas sur vous. Je vous en prie. OK. Bon. Soyez bénis à tous, soyez bénis et restez vraiment concentrés spirituellement. Le combat que vous avez commencé à mener, c'est le début du combat. Et quand on dit on commence à détruire les fondations, on détruit ceci, les liens sataniques et maléfiques, tout ça, tout ça, ce sont des prières, on appelle ça des prières de combat, des prières de destruction. Et quand tu fais des prières de combat et de destruction, tu dois continuer et tu dois appeler aussi la bénédiction sur toi. Si tu ne continues pas, tu auras semé, tu auras enlevé, mais écoutez. On détruit, on sème. La semence, c'est faire le don. Tu fais des dons, tu sèmes à travers ton amour que tu partages aux gens, tu sèmes à travers ta relation avec Dieu. Tu sèmes, il faut s'aimer. Quand tu détruis, tu dois s'aimer des nouvelles choses, des belles choses, des bonnes choses autour de toi, dans ta vie. Et quand tu finis de s'aimer, tu dois protéger, veiller à ce que ce soit toujours protégé, mettre toujours la protection. Donc, veillez continuellement sur votre sanctification. Achetez vos produits, faites des jeûnes, faites vos constats, faites vos lavages, faites vos lavages. Sans vie, sans vous, je vis. Sans vous, la reine vit. C'est juste que vous comprenez. C'est un ministère. OK? Veillez sur vous. Veillez sur vos enfants. Vos enfants là ne connaissent rien. Si toi la mère, tu dors sur ta vie, tes enfants là, c'est comment? OK. J'ai même déjà assez parlé. Donc, bye bye. Soyez bénis abondamment. Je déclare qu'en cette fin de semaine, Dieu vous localise puissamment. La grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. La coupe déborde en abondance. Ceux qui sont malades sont guéris là où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que vos portes s'ouvrent, que toute porte qui est fermée et qui doit être ouverte soit ouverte. Je déclare que vos cieux soient ouverts maintenant. Je déclare et je relâche l'abondance financière dans vos vies. Recevez votre miracle, recevez votre bénédiction. Par ton Amen, tu reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bye bye, bye bye, bye bye. On fait comment?